attention à votre... Ah bah oui, ça pose problème, du coup c'est dégueulasse. Attends, comme... non. Il est tout frais mon poisson, il frétille, il est tout frais. Avant de concrètement entamer le tour d'horizon du premier jeu vidéo du studio Giant Squid, une question doit être posée. Cette question elle est simple, et la voici. Êtes-vous un joueur PC ayant toujours rêvé de jouer à Journey si ce dernier n'avait pas été exclusif à des consoles de salon Sony? Si la réponse est oui, que vous avez toujours très envie de jouer à Journey et que vous arriverez à vous contenter d'un vague ersatz qui n'arrive pas vraiment à la cheville du maître étalon de la Game Company, alors foncez. Foncez sans poursuivre cette vidéo et sans prêter attention à la fin de ma phrase précédente et à vous les joies très éphémères des baignades oniriques d'Abzu. Pour les autres qui sont restés, je l'espère majoritairement, prenez un parapluie et apprêtez-vous à recevoir mon torrent de déception en pleine tronche, car oui, Abzu était incroyablement décevant. Alors déjà, Abzu, qu'est-ce que c'est ? Eh bien pour commencer, l'Abzu, ou Apsu, est un terme issu de la mythologie mésopotamienne désignant une sorte de super-océan souterrain duquel découleraient tous les autres points d'eau, une sorte de version aquatique de la fameuse expression « tous les chemins mènent à Rome ». Même si tous les étangs mènent à l'Abzu, ça fait un peu slogan foireux pour une réclame d'eau gazeuse. Mais dans le cas qui nous intéresse, Abzu est un jeu vidéo d'aventure contemplatif se jouant à la troisième personne. Disponible à l'achat sur PC et PS4 pour une bonne vingtaine d'euros, Abzu est comme je l'ai dit un peu plus tôt le premier jeu vidéo du studio Giant Squid, une structure assez modeste dirigée par Matt Nava, personne notamment connue pour avoir été art director sur Flower et Journey, retenez l'info, elle est importante. Dans Abzu, le jeu, nous incarnons un plongeur anguleux et anonyme qui démarre l'aventure lâché en plein milieu à queue et qui va devoir se dépatouiller comme un grand pour progresser. Bon, pas d'ennemis à l'horizon, des énigmes que même Capcom rechignerait à qualifier comme telles, et qui se résolvent en appuyant sur carré, autant dire que l'eau ne risque pas d'être troublée. Le seul récif sur lequel pourrait se heurter le joueur étant la maniabilité pas toujours très fluide de notre petit nageur, qu'une caméra parfois à la traîne viendra accentuer. On se laisse alors porter par les flots sans jamais vraiment atteindre cet état si cher aux vulgarisateurs jeux vidéo. C'est qu'on fait pas grand chose dans Abzu. On avance, on regarde les petits poissons exécuter leur ballet, on déterre un robot pour nous ouvrir le chemin 10 mètres plus loin, on restaure la beauté des océans, toujours en appuyant sur carré, on se débat comme on peut avec le rythme assez poussif du truc, et surtout, on contemple. On contemple, on contemple, on contemple. Et comme les plus beaux instants de contemplation se trouvent être des simili cutscenes plus ou moins déguisées et où l'on ne peut pas faire grand chose, bah on a aussi un peu de temps pour commencer à réfléchir. Et c'est à ce moment précis que le bassin de la contemplation chope une fuite assez vénère. Parce que quand même, ça fait un peu Journey tout ça. Un peu beaucoup même. Entre le personnage qui ne peut communiquer qu'avec une petite onde sonore, la direction artistique, les fresques à découvrir pour en apprendre plus sur le background, la technique assez épurée, la musique d'Austin Wintory et même le découpage de la progression, pratiquement tout semble marqué par l'influence de Journey. D'un côté, cela semble logique vu le CV, très vaguement énoncé un peu plus tôt, de certains membres de l'équipe de développement. De l'autre, l'impression d'avoir affaire à une sorte de seconde moitié d'un diptyque forcé est aussi désagréable que tenace. C'est un peu comme vouloir faire une suite à Killer 7 en étant fan du jeu et en ayant uniquement le consentement de Masafumi Takada. C'est pas aussi grave que filer 3 millions de dollars à Keiji Inafune pour espérer repartir avec un Megaman-like qui dépote, mais ça ressemble quand même pas mal à une bonne grosse idée de merde. Parce que tu risques de refaire Killer 7 en moins bien, et c'est précisément ce qui arrive avec Abzu. Je suis pourtant pas le genre à apprécier résumer un jeu par un autre jeu plus connu. Le nombre assez pété de jeux basiquement qualifiés de Dark Souls en pixel, par exemple. Mais dans le cas d'Abzu, difficile, impossible même, de ne pas succomber au chant de cette sirène de punchline. Abzu, c'est Journey sous l'eau. Rendez-vous compte que l'on n'est même pas devant ce traditionnel cas de mélange d'influences qui potentiellement peut donner quelque chose de franchement cool, comme quelque chose d'assez mal digéré ressemblant juste à un gros patchwork mal dégrossi. Mais dans Abzu, il n'y a qu'une et une seule référence, et c'est Journey.
Allez, je veux bien être sympa et accorder un minuscule côté Echo the Dolphin, mais on est sur un ratio tellement faible, pour ne pas dire quasi inexistant, que c'est de l'ordre du pinaillage. Abzu, c'est tellement Journey sous l'eau que ça allait jusque dans son dénouement, qui, s'il n'est pas identique à Journey, possède tout de même de grosses similitudes. Abzu, c'est donc Journey sous l'eau, en moins bien, en moins subtil, en moins étoffé, en moins agréable, en deux fois moins long, sans la coop un peu cool, sans l'effet de surprise puisqu'il sort 4 ans plus tard, et avec des temps de chargement longués cassant complètement le rythme par-dessus le marché aux poissons. Abzu, c'est Journey qui prend l'eau, en fait. D'où la déception, parce que c'est un jeu que j'attendais quand même un petit peu. Un jeu posé et gracieux qui en plus prend le risque de se passer presque exclusivement sous l'eau. Sauf que vendre un jeu à la Journey et faire un jeu tout comme Journey sont de rives assez éloignées et Abzu se trouve malheureusement sur la mauvaise. Alors ce n'est pas un mauvais jeu vidéo, infâme et honteux qu'il faudrait jeter dans une poubelle dématérialisée, non c'est simplement une assez mauvaise expérience pour quiconque d'un peu tatillon ayant bien dosé Journey et attendant autre chose d'Abzu qu'une banale redite maladroite. À droite. C'est un titre passable qui parviendra quand même à trouver son petit public, je pense, surtout sur PC ou si vous avez toujours rêvé de nager aux côtés de baleines en 3D, mais qui ne marquera personne sur le long terme. Parce que quasiment rien de propre à Abzu ne se dégage d'Abzu. Ça c'est quand même foutrement dommage. Résultat obtenu par Giant Squid pour son premier plongeon dans le grand bain de l'indé, des figures moyennement exécutées, une entrée dans l'eau de biais et pas mal d'éclaboussures, cela nous donne 4 points, insuffisants. Il existe un nouveau procédé de distribution vidéo. C'est vrai. Oui, c'est la cassette minute. Elles sont en vente avant que le film ne soit terminé. Non. Et voilà. Je l'ai trouvé. Bravo caporal, chargez-la. Un peu comme tout le monde en août 2016, j'ai joué à No Man's Sky. Pas trop comme tout le monde, à en croire les chiffres officiels, j'ai obtenu ma copie de façon tout à fait détournée. Parce que mettre 60€ à l'aveugle dans un jeu dégoulinant de promesses, qui sentait le pétard foiru à des kilomètres et qui, sur PC, n'avait et n'a toujours aucune config recommandée affichée de façon claire et officielle, excusez-moi du peu, mais ça ressemble quand même à une partie de roulette russe à 5 balles, autant dire un gros plan foireux, et j'essaie quand même un minimum d'éviter les gros plans foireux. Néanmoins, un peu comme tout le monde, ben, j'y ai quand même joué et je vais tenter de synthétiser ce que je pense du surattendu titre d'Hello Games après une bonne vingtaine d'heures de jeu. Et il y a du boulot parce que comme le dit l'expression, il y a à boire et mi-raisin. Pour celles et ceux qui auraient, par miracle, échappé au déraisonnable tapage médiatique que s'est mangé le jeu, No Man's Sky est un jeu d'exploration spatiale en vue subjective et dont la caractéristique principale, celle sur laquelle la communication a tout misé, est d'offrir aux joueurs un terrain de jeu généré de façon procédurale et comptant pas moins de 2 puissance 64 planètes à explorer. Vous ferez le calcul de votre côté, mais sachez juste que ça fait beaucoup beaucoup de planètes. Des planètes qui se génèrent donc, que ce soit la faune, la flore ou l'emplacement des objets et autres ressources, au moment précis où vous atterrissez dessus. Voilà le gros gimmick du jeu. Le principal intérêt de No Man's Sky réside donc dans le fait d'explorer des planètes et de se laisser enivrer par l'immensité galactique qui s'étend à perte de vue. Pour ce faire, il sera tout de même nécessaire d'alimenter son vaisseau en carburant, de charger sa combinaison afin d'être protégé des conditions parfois extrêmes de certaines planètes, de réparer tout un tas de machins qui peuvent tomber en rade, et donc de dénicher des matériaux pour réaliser tout cela. Autant dire que les allergiques du minage intensif passeront leur chemin parce que l'exploration de No Man's Sky passe par une grosse dose de prospection et d'apprentissage des 3-4 dialectes aliens présents dans le jeu, le tout saupoudré d'une gestion envahissante et moyennement ergonomique d'un inventaire très rapidement rempli. Et si l'on fait l'impasse sur les quelques promesses plus ou moins intenables qui n'ont pas été tenues, sur les questions comme la présence d'un multi, qui ont été systématiquement éludées de façon pas super clean durant la promo du jeu, et en fait y a pas du tout de multi, hein, sur le downgrade graphique, sur la maniabilité hasardeuse à la souris, ou sur l'optimisation plus que douteuse, force est de constater... que ça marchouille pas si mal No Man's Sky, dans un premier temps tout du moins, celui qui consiste à réellement découvrir le contenu du jeu, sa mentalité, ses propositions, ses planètes générées, sa faune toute droit sortie de sport ou d'un cirque de l'horreur, ça marchouille pas si mal. C'est clairement pas parfait du tout, ça ressemble pas vraiment au trailer et le procédural montre bien vite ses limites, mais ça dégage quand même un petit quelque chose. On se sent vraiment écrasé par un truc bien plus gros que nous, un truc bien plus gros que nous, un peu teubé, mal pensé et souvent assez moche, mais quand même. Et quand, passé quelques heures, on commence à sentir que l'on assimile la logique du titre, que l'on s'intègre doucement à cet univers impitoyable et que l'on s'est payé un vaisseau plus rutilant que la Fiat Punto spatiale du début de jeu, bah le feeling est plutôt cool. Ça demande un poil d'endurance et un soupçon de bol avec le procédural, hélas, mais le feeling est plutôt cool. Seulement, vient un moment, disons après
10-12 heures de jeu, ce qui reste assez peu pour un jeu d'exploration de cette envergure, où l'on commence à réellement tourner en rond, où l'on ne trouve plus aucune nouvelle technologie, où plus rien ne vient casser notre routine, où notre équipement nous suffit amplement, où l'IA débile des animaux ne nous fait plus rire, et où l'on résout la même énigme un peu nulle pour la 34e fois, aboutissant à un dialogue bateau lu pour la 34e fois lui aussi. À ce moment-là, on réalise que ces 2 puissance 64 planètes sont en fait limitées à 2 puissance 4 interactions, bâtiments et lignes de dialogue qui se répéteront inlassablement encore et encore et encore et encore et encore. D'autant que ces 10-12 heures de jeu, elles n'ont été ni incroyables, ni nul à chier. Elles ont juste été. C'est assez difficile à expliquer en fait. No Man's Sky a tout du jeu passable et pépère que l'on lance une petite poignée d'heures quand on sait pas vraiment à quoi jouer. On fait une planète, on trouve les mêmes patterns de végétation, les mêmes améliorations, les mêmes édifices, les mêmes PNJ aux mêmes endroits et avec les mêmes dialogues en boucle, on fore un gisement d'or et analyse 2 bestioles improbables et on recommence le lendemain sur une autre planète. Perfectible, grossier, voire carrément raté sur certains points, coucou les combats, No Man's Sky a tout du projet qui s'est emporté dans ses rêves et qui, à l'arrivée, ressemble plus à une grosse early access d'un projet Kickstarter visant à faire un nouvel opus de l'Arche du Capitaine Blood qu'autre chose. Sans être plaisant ou déplaisant, on ne cesse de se dire que le vrai jeu sera vachement mieux et qu'il réussira réellement tout ce qu'il entreprend sur le papier. Parce que là, ce que réussit, entre guillemets, et avec beaucoup de maladresse No Man's Sky, c'est ce que le jeu promettait de faire les yeux fermés et avec une main dans le dos. En plus de tout cela, No Man's Sky représente à lui seul bon nombre de problèmes liés aux jeux vidéo de façon générale. Des problèmes rencontrés déjà maintes fois, ici gonflés par des ambitions toujours plus grandiloquentes. Les beaux trailers faits main, affirmant que oui, l'algorithme fait ça bien, t'as vu, c'est pas du pif. La surmédiatisation et la communication outrancière, bardée de belles promesses, et axée presque essentiellement sur de la futilité, parce que oui, se contenter de rabâcher que ton open world fait tant de kilomètres carrés ou tant de trillions de planètes, ça ne sert pas à grand chose, sans oublier l'improbable crédulité cyclique du public qui tombe constamment dénu, de façon excessive, devant l'inexorable réalité de la chose. Tout ceci vous dit certainement quelque chose, c'est bien normal, c'est le schéma type de la sortie de n'importe quel gros jeu vidéo. On se tape ça presque à chaque fois, et les gens parviennent quand même à encore être surpris, c'est fantastique. Vous savez, quand on vient me reprocher parfois d'être un party pooper durant des événements comme l'E3, on me sort le coup du « mais enfin, arrête de tout remettre en question et profite un peu de la magie du salon !» Et en fait, oui, un salon de jeux vidéo c'est ça, c'est un spectacle de magie. Un mec monte sur scène, vous montre des choses brillantes, tronçonne sa partenaire ou son locuste à coups de lenzor en gesticulant dans tous les sens parce que c'est étudié pour capter l'attention et détourner l'éventuelle crédulité de l'assistance. Sauf que contrairement à un spectacle de magie, le jeu, lui, il se rend dispo pour nos mains à un moment ou à un autre, et là c'est passe VIP pour l'éloge. On découvre ainsi la machinerie, les ficelles, les bouts de scotch qu'empêchent le tout de se gaufrer lamentablement, la contorsionniste censée représenter l'autre moitié du locuste dans la boîte, et on se rend compte que l'élégant magicien est en fait un rustre alcoolique affalé sur un canapé crasseux avec la main dans le falzar. Et autant j'ai rien contre le fait de voir un spectacle de prestidigitation de temps en temps, autant je ne me fais pas trop de doutes sur la nature de ce qui s'y passe. C'est pareil pour un salon de jeux vidéo. Est-ce que je cautionne ce genre de pratique marketing? Bien sûr que non. Seulement, arriver en 2016 et encore se faire pigeonner dans les grandes lignes en fondant toutes ses espérances sur des trailers promotionnels, ça ne peut mener qu'à une catastrophe donnant lieu à des situations semblables à des gens voulant lancer une pétition pour annuler le nouveau spectacle de Danny Larry parce que, spoiler alert, il fait pas réellement voler un piano. Tout ça pour dire, vous devriez accepter de prendre du recul, particulièrement envers les choses taillées spécialement pour vous acheter. Quant à No Man's Sky, essayez-le, malgré ses très nombreux défauts internes et externes, malgré son manque flagrant de contenu et de finition, et malgré le fait que c'est un jeu qui n'a pas des hauts et des bas, mais seulement des milieux et des bas. Essayez-le, mais clairement pas à 60€, ça ne les vaut pas du tout. Perso, je serai tout de même prêt à l'acheter, mais quand il sera plus proche des 20 balles grand max, c'est-à-dire dans 3-4 mois, quand pratiquement plus personne n'y jouera. Cela dit, quand on voit que son nombre de joueurs actifs sur Steam a chuté de 90% en l'espace de 2 semaines, il y a moyen que ça arrive encore plus tôt.